Can everybody hear me okay? Est-ce que vous m'entendez bien? Good. Let's open with a word of prayer. Donc nous allons commencer par la prière. Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous voulons te remercier. We pray that you would guide, direct and bless us. Nous prions pour que tu puisses nous diriger et nous bénir. As we approach you this afternoon. Alors que nous nous approchons de toi cet après-midi. Each of us and as a group ask for your blessing. Chacun d'entre nous et en tant que groupe, nous demandons pour ta bénédiction. You have promised where two or more gather together. Tu as promis que là où deux sont rassemblés près de toi. Seeking for your blessing. Et qui recherchent ta bénédiction. That you will give it. Que tu la donneras. We take hold of that promise today. Nous voulons nous raccrocher à cette promesse aujourd'hui. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. I welcome you all back again. Donc, bienvenue à chacun de nouveau. At this camp meeting, we have tried to take the time to explain the organizational structure of this movement. Donc, à ce camp meeting, nous avons pris le temps d'expliquer la structure de l'organisation de ce mouvement. It seemed important to us that rather than just lay out a structure as you see, that I would give some kind of background information first. Il nous semble important, avant de vous donner donc l'organigramme tel quel, de donner quelques informations complémentaires. I think there are sufficient people in the movement today who don't fully appreciate all the steps that we have gone through. Et il y a beaucoup de personnes dans le mouvement qui n'apprécient pas toutes les étapes que nous avons traversées. Some that were there because of human reasoning. Donc certains étaient là donc à cause du raisonnement humain. Human planning. Ou des. But despite all of that, I believe that God's hand can be seen over this movement. Mais malgré tout cela, je crois que la main de Dieu peut être vue dans ce mouvement. How he does that, I don't fully understand. Et comment Dieu fait cela, je ne comprends pas parfaitement. But I wanted to explain the history as I see it. Mais j'ai voulu expliquer l'histoire telle que je la vois. To invite yourselves to marvel at his wisdom and his grace. Pour vous inviter à vous émerveiller devant sa sagesse et devant sa grâce. There are many pieces of information that I have not shared. Il y a beaucoup d'informations que je n'ai pas partagées. I'm sure there is a lot of information that I'm not aware of. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'informations auxquelles je ne suis pas au courant. I'm hoping that the little that we have discussed has opened your eyes. Et j'espère que les choses que nous avons discutées ont ouvert vos yeux. And if I could say it this way, et si je peux le dire de cette façon, the overarching idea or principle that I wanted to bring across to you, et donc les choses et les principes que j'aimerais vous amener, is that God has been in control. C'est que Dieu a été au contrôle. Despite everything or anything we have tried to do, Malgré toutes les choses que nous avons pu essayer de faire, he has, in his own way, overridden our decisions. Il a, dans ses propres voies, il a, comment dire? Or at times, he has confirmed them. Il a maîtrisé et il a confirmé nos décisions. And the other thing that I find fascinating. Et l'autre chose que je trouve fascinante, is how he
uses certain individuals. C'est comment il a utilisé certains individus. They are like tools in his hand. Qui sont comme des outils dans sa main. Even when they don't realize that that is actually happening. Même lorsque ces personnes ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. I think it's profitable for us to always look to the past and see God's leading. Et je pense qu'il est profitable pour nous de toujours regarder dans le passé pour voir comment Dieu dirige les choses. Especially at a time like this, where we transition from one year to the next. Et spécialement dans un temps comme celui-ci où nous faisons la transition d'une année à une autre. So, I've had some questions, some comments. Donc j'ai eu quelques questions et quelques commentaires. And some people have said. Et certaines personnes ont dit. Oh, I didn't know that this person had this role or you had that role. Je ne savais pas que cette personne avait ce rôle ou que toi tu avais ce rôle. Now I know that people sometimes complain that we don't communicate enough. Donc je sais que certaines personnes se plaignent que des fois nous ne communiquons pas suffisamment. And it's all too easy just to apologize. Et c'est vraiment difficile, enfin c'est pas suffisant de juste s'excuser. But I do want you to all know. Mais j'aimerais que vous sachiez that it was in our minds. Que c'était donc dans nos esprits that we would have shared this information at an international camp meeting. Que nous aurions, enfin que nous voulions donc partager cette information au camp meeting international. Last year, 2020, it was supposed to happen two times, but both times it failed. Et donc l'année dernière, donc 2020, c'était supposé arriver deux fois, mais à chaque fois ça a échoué. First was going to be in June, and then, in fact, this meeting that we're having now was going to be the international camp meeting. Et donc le premier, donc c'était au mois de juin, et le camp meeting que nous avons actuellement aurait dû être donc un camp meeting international. But you all know that the pandemic overthrew all of those plans. Et vous savez que la pandémie donc a renversé tous ces plans. And it continues to control and manage our lives. Et cette pandémie continue à contrôler et à diriger nos vies. So we felt it was vital for us to take this opportunity to explain the structure as it is today. Donc il nous a semblé vital de prendre cette opportunité d'expliquer la structure donc telle qu'elle est aujourd'hui. Now I'm sure that I'm not going to answer everybody's questions. Donc je suis sûr que je ne vais pas être capable de répondre aux questions de chacun. People will either have questions before that haven't been answered. Donc soit les gens vont avoir des questions qui auparavant donc n'ont pas été répondues. Or they'll have questions based upon what they're listening to. Ou alors ils vont avoir des questions basées sur ce qu'ils sont en train d'écouter. Now, there are certain people who have asked me very specific questions about their own situation. Alors, il y a des gens qui m'ont posé des questions très spécifiques sur leur propre situation. And I probably won't address most of those questions. Et probablement, je ne vais pas répondre donc à la plupart de ces questions. But hopefully, over the coming days and weeks, I will try to either address them privately or in future presentations. Mais donc, je vais essayer de répondre à ces questions, donc soit de façon privée ou soit dans des futures présentations.
If you're like me, donc si vous êtes comme moi, then sometimes you don't even know the questions to ask until someone says something. Vous ne savez pas quelle est la question à poser jusqu'à ce que quelqu'un dise quelque chose. So maybe you didn't even know there was a question or a problem until I've begun to raise it now. Donc peut-être que vous ne saviez même pas qu'il y avait une question ou qu'il y avait un problème jusqu'à ce que je le soulève. As an example. Donc comme exemple. As an example. Donc comme You can see that Elder Tess and myself are the leaders here in Europe. Donc vous pouvez voir que l'ancien Tess et moi-même nous sommes les dirigeants donc en Europe. And I've had a couple of questions from people who live in Europe, and one of them didn't even know that. Donc j'ai eu des questions des personnes qui étaient en Europe et l'un d'entre eux ne savait même pas cela. They know they live in Europe. They didn't know I was their boss. Donc ils savaient qu'ils vivaient en Europe, mais ils ne savaient pas que j'étais leur boss, leur responsable. I think that's what their question was, but Sister Tamina may be correct. Donc je pense que c'est ça la question, mais peut-être que Tamina donc a juste. Good. So. I'm hoping everyone's okay with this branch of our tree. Donc j'espère que chacun est d'accord sur cette branche de notre organigramme. The United States. Donc les États-Unis. And Canada too. Et le Canada aussi. And then Africa 1 and Africa 2. Donc Afrique 1 et Afrique 2. I've discussed the issues with Elder Tess and myself being the leaders in Europe. Donc j'ai parlé du sujet du fait du problème du fait de que Tess et moi-même enfin que l'ancien Tess et moi-même nous sommes dirigeants en Europe. So I don't know if everyone's experiencing this, but there seems to be a delay between me and the Portuguese because I've hooked up with the Portuguese translation. So if you think there's a delay, that's the reason. Donc je sais pas si tout le monde a ce problème, mais il y a un délai entre la traduction portugaise et moi-même. So I hope that's okay. If it's not, then someone can tell me. Donc j'espère que c'est bon, et si c'est pas le cas, quelqu'un pourra me le signaler. So I've explained as best as I can the issues in South America. Donc j'ai essayé du meilleur que je pouvais donc le problème qui avait lieu donc en Amérique du Sud. I've in a very general way explained that South America has been divided into two parts. Et j'ai expliqué que donc l'Amérique du Sud a été divisée en deux parties. And without going into the reasons why. Et sans I've explained the various areas of responsibility. Et sans rentrer dans les détails, donc j'ai expliqué les différentes zones. Oceania is again relatively straightforward. Donc pour l'Océanie, c'est relativement facile. So I want to spend just a few moments discussing France. Donc, je vais passer un petit moment pour parler de la France. What I do want to say is the following. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est la chose suivante. I haven't had many questions, but the few that I have had. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de questions, mais le peu de questions que j'ai eues. Probably 70% of them. Peut-être 70% de ces questions. Are dealing with the organizational structure here underneath.
donc sont sur l'organisation que vous voyez donc ici en dessous. Asking questions about things I haven't addressed. Donc cela pose des questions sur des choses dont sur lesquelles je n'ai pas parlé. So depending on the questions and how much time we have, I may or may not address them. Donc en fonction des questions et en fonction du temps que nous avons, je vais pouvoir répondre ou ne pas répondre à ces questions. Donc so, c'est au niveau du deuxième niveau de l'organigramme. Now we have acknowledged that this is a ministry and everywhere else there are individuals. Donc nous avons reconnu que donc en France c'est un ministère alors que partout c'est donc des and leaders. That is a legacy issue, if I can express it that way. Donc c'est un problème de legacy, donc héritage. So it's not for me to justify or explain why it is that way, but I'm just letting you know that we have just continued along the existing practice. Alors c'est pas à moi de justifier pourquoi c'est comme ça, mais en fait on a continué sur ce qui existait déjà. So, do we need to pause or shall I continue? I just need some guidance from somebody. Alors, est-ce qu'on doit faire une pause ou est-ce que je dois continuer? Okay. So, we have a ministry that's run by four people that have supervision over the French world. Donc, on a un ministère qui est dirigé par quatre personnes et qui supervise le monde francophone. Now we have ministries here. Donc on a des ministères ici. For instance, for Oceania, there is an Oceania ministry called the Midnight Watch. Par exemple, pour l'Océanie, il y a un ministère qui est appelé donc le Midnight Watch. But they have a continental leader. Donc, ils ont un dirigeant, donc c'est Midnight Watch, le ministère, et ils ont un dirigeant, donc, continental. Same in the United States. C'est la même chose qu'aux États-Unis. The Institute of Prophetic Research, IPR. Donc, c'est IPR, donc l'Institut de Recherche Prophétique. The Institute of the Institute of Prophetic Research, IPR. Donc l'IPR, donc l'Institut ou l'IRP, l'Institut de Recherche Prophétique. IPR. Good, but they also have a continental leader. Mais ils ont aussi un dirigeant continental. Now for Europe. Donc pour l'Europe. There is not an overarching ministry. Il n'y a pas un ministère qui chapeaute. There's not a pan-European ministry. Donc il n'y a pas un ministère qui chapeaute toute l'Europe. Just two leaders. Voilà, donc il y a juste deux dirigeants. And it's the same in Africa. C'est la même chose en Afrique. So different places in the world have gone down slightly different routes. Some have a continental ministry and some do not. Donc, en fonction des différents endroits dans le monde, il y a certains qui ont un ministère donc continental et d'autres qui n'ont pas cela. Now, remember we're treating this branch of the tree as a continent. Donc, souvenez-vous que nous prenons donc cette partie de l'organigramme, donc la France, nous la traitons comme un continent. And the role of LGC is the continental ministry. Et donc le rôle du ministère LGC, c'est un rôle de ministère continental. So even though I have France here, I could equally put France here. Donc même si j'ai mis France ici, je pourrais aussi mettre France en bas.
And it will tell you the geographical locations that LGC has responsibility for. Et ça là, vous donne donc les zones géographiques pour lesquelles donc NGC a la responsabilité. Now, I did mention it, but I haven't put it on the board. Alors, je l'ai mentionné, mais je ne l'ai pas mis sur le tableau. That there are areas in Canada and Africa that are French speaking. Il y a des zones donc au Canada et en Afrique qui parlent français. But we don't have either people or we have very few people. Mais nous avons soit pas de personnes ou alors soit très peu de personnes. And in such situations, there is either complete responsibility or co-working with various leaders and ministries. Et dans ces situations-là, soit il y a une responsabilité complète, ou alors il y a en fait du travail qui se fait en collaboration avec différents ministères. I'll give another example. Donc je vais vous donner un exemple. In Africa, En Afrique, there are some Portuguese-speaking countries, il y a des pays qui parlent portugais. but they're geographically located in Elder Tabo's jurisdiction or area of responsibility. Mais ils sont donc localisés dans la juridiction de Tabo. But what we have agreed, Mais negotiated, nous nous sommes mis d'accord et nous avons négocié. is that those countries come under the responsibility of Brazil. Que ces pays donc vont enfin tombent sous la responsabilité du Brésil. So it would go Tess and myself, Donc ce serait donc Tess et moi-même. and then again Tess and myself, Et encore une fois, donc Tess et moi-même, to the leadership in Brazil, aux dirigeants du Brésil. to the country, the Portuguese-speaking country in Southern Africa. Et pour aller donc aux pays qui parlent portugais en Afrique. So this structure doesn't go into the details like that, but those complexities do exist. Donc cet organigramme ne va pas dans tous ces détails, mais en tout cas, de tels détails Now existent. you know why it's a full-time job organizing this movement. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi c'est un travail à temps plein d'organiser ce mouvement. There's lots of things to consider. So, coming back to this model here. Donc on va revenir à ce modèle ici. There may come a time. Donc il y a un temps qui va arriver. I'm saying this because I know that there are a lot of members here who are from this part of the world. Donc je dis cela parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui font partie donc de cette partie du monde. And they have questions. Et ils ont des questions. So there may come a time where this structure changes. Donc il va y arriver un temps où cette structure va changer. And the issue that I'm referring to specifically is who leads and how is this branch of the organization organized? Donc le sujet, c'est qui dirige et comment donc cette branche de l'organisation va-t-elle être organisée? No work has currently been done yet. Donc, aucun travail à ce sujet n'a été commencé pour le moment. But it's we find ourselves in an awkward situation. Mais nous nous trouvons dans une situation étrange, Now I know that difficile. some people don't like the way this movement is run. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas comment ce mouvement est dirigé. They don't like the way Elder Tess and myself run things, organize things. Donc ils n'aiment pas la façon dont l'ancien Tess et moi-même nous dirigeons les choses. For those of you who know us well, Donc pour ceux d'entre nous qui nous connaissent bien,
I hope it's fair to say that you know that we do listen. Je pense qu'il est assez juste de dire que nous sommes à l'écoute. And we do consult. Et nous consultons beaucoup. But it's been difficult. Mais il a été très difficile to try to sort out, depending on how you count, 29 or 30 years of bad management. D'essayer donc de résoudre, alors selon comment vous comptez, donc 29 ou 30 ans de mauvais management. Or de mauvaise gestion, management, in fact. En fait, de aucun management, en fait, aucune gestion. If I say it this way, to bring everyone up to the 21st century. Et je dis cela pour amener chacun d'entre nous au 21e siècle. Plus, I want to remind every single one of us. Et j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous. Yes, Sister Alison. Thank you. I want to remind every single one of us. Donc, j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous. That this is not just organization. Ce n'est pas simplement de l'organisation. Because the subject of organization is a test. Donc le sujet de l'organisation est un test. And everything that you see on the board has prophetic significance. Et tout ce que vous voyez sur le tableau a une signification prophétique. And how you relate to organization becomes a life and death issue. Et la façon dont vous allez réagir par rapport à l'organisation devient un sujet vital, de vie ou de mort. As it does for myself and Elder Tess. Et c'est la même chose pour moi-même et l'ancien Tess. And every single one of these people. Et pour chacun de, pour toutes les personnes. This organizational structure that's being created. Donc cette structure organisationnelle qui a été créée is as much prophetic as it is practical. Elle est autant prophétique que pratique. And that means handling things carefully. Et ça, cela veut dire qu'il faut gérer ces choses-là de façon carefully. I don't want to say perfectly. Alors, je ne veux pas dire parfaitement, mais qu'il faut les gérer de façon soigneuse. So I want to point out, donc, j'aimerais souligner, now, parce que maintenant vous le voyez, donc j'aimerais souligner that we have 1, 2, 3, I'll skip us, 4, 5, 6 people. Donc, que nous avons 6 personnes. Six people that are supervising or have responsibility for the world field. 6 personnes qui supervisent ou qui ont la responsabilité pour le champ mondial. And it's our desire and our practice to consult with them. Et c'est notre désir et c'est notre habitude de les consulter. The difficulty that we have. La difficulté que nous avons. Now, remember, this is just one view. Donc, souvenez-vous, c'est juste une vue. If we created a structure based upon numbers, si nous créons une structure basée sur les nombres, and we drew it to scale, this would be different. Et si nous la mettions donc à l'échelle, ce serait différent. What you would probably find, ce que vous pourriez donc trouver, probablement, is that some of these areas would be very small and some of them would be much larger. C'est que certaines zones sont très petites et d'autres sont beaucoup plus grandes. That was an introductory thought to the following point.
Donc ça, c'était une pensée introductive pour le point suivant. That this part of the world, when you consider the numbers of members, is quite large. Donc cette partie du monde, lorsque vous regardez le nombre de personnes, elle est très grande. And so when we have organizational meetings, et lorsque nous avons donc des rencontres d'organisation, we'll call them leadership meetings. Donc on va les appeler des réunions de dirigeants. Between ourselves and these continental leaders, entre donc nous et les dirigeants continentaux, who are all ordained elders, qui sont tous des anciens donc consacrés. Remember, Sister Terry is about to be ordained as an elder, but she's considered one. Donc souvenez-vous que donc Terry est sur le point d'être consacrée en tant qu'ancien, mais elle est considérée comme étant donc ancien consacré. That there's a problem. Il y a donc un problème. The problem lies here. Et le problème, il se trouve ici. The board members of LGC, donc les membres dirigeants de LGC, structurally speaking, are not at the same organizational level as these continental leaders. Donc de façon, si on parle au niveau de la structure, ils ne sont pas au même niveau que ces dirigeants continentaux. We'll take Oceania. Donc on va prendre par exemple l'Océanie. Oceania has a continental ministry. Donc l'Océanie a un ministère donc continental. The Midnight Watch. Qui s'appelle donc The Midnight Watch, qui est donc la sentinelle de minuit. They have a treasurer there. Donc, ils ont un trésorier. A treasurer, someone donc, who does all the money. Un trésorier, donc quelqu'un qui s'occupe de l'argent. Now, that's a responsible job. Donc, c'est un travail de responsabilité. This continent has the same as well. Et donc dans ce continent, on a exactement la même chose. Now when we have meetings with the leaders, we don't invite the treasurer to those meetings. Donc lorsqu'on a des rencontres avec les leaders continentaux, on n'invite pas donc les trésoriers à ces rencontres. And so therefore, if we were going to have LGC representation, et si nous voulons que LGC donc soit représenté, we would have to exclude the treasurer. Donc on devrait donc exclure et aussi le trésorier. The secretary doesn't come. Donc le secrétaire ne vient pas non plus. And the secretary wouldn't come. Et donc, dans ce cas, dans le cas de l'LGC, le secrétaire ne viendrait pas non plus. So the problem that you have, et le problème dans lequel nous nous trouvons, that we have, le problème que nous avons, is that we cannot have LGC representation at the moment. On ne peut pas représenter LGC pour le moment. Donc LGC ne peut pas être représenté dans ces réunions, leadership meetings. Pour le moment, dans ces rencontres pour les dirigeants. And it's something that needs to be addressed. Et c'est quelque chose qui doit être réglé. Donc LGC ne peut pas être représenté dans ces réunions de dirigeants. I'm hoping that particularly those French brethren who have these questions can begin to understand the problems. Donc j'espère que nos frères français qui donc ont eu ces questions commencent à comprendre quel est le problème.
Now, I don't want to discuss much below what I've drawn already. Donc, je ne veux pas m'étendre sur ce que j'ai déjà donc dessiné pour le moment. En dessous. People are having a discussion on the chat, Donc, il y a des personnes qui discutent sur le chat. which you're free to do, but it's totally disconnected to what I'm talking about. Donc, vous êtes libre de faire ça, mais c'est déconnecté avec ce dans quoi je suis en train de parler. Which is fine if you want to do that, that's okay. Mais bon, c'est bon si vous voulez faire cela. People are asking, Donc, les gens posent la question, are there any other elders in the movement? est-ce qu'il y a d'autres anciens dans le mouvement? I think I'm correct in saying that there are four other elders. Donc, je pense que je suis, je, enfin, je suis correct de dire qu'il y a quatre autres anciens. There Je ne me are trompe pas en disant two qu'il a quatre here. autres anciens. There's one here. Donc, il y en a deux ici, il y en a And un there's ici, one here. et il y en a un ici. So, there's one elder in France, Donc, il y a un ancien en France. one in Southern Africa, not South Africa, Southern Africa, the region. Il y en a un dans la région donc de l'Afrique, donc la région sud de l'Afrique. And one in South America. Et il y en a un en Amérique du Sud. So, the two elders here both are in Brazil. Donc, les deux anciens ici se trouvent tous les deux au Brésil. It's Elder Gabriel and Elder Wesley. Donc, c'est l'ancien Gabriel et l'ancien Wesley. There's one in Zimbabwe, Elder Marshall. Il y en a un au Zimbabwe, l'ancien Marshall. And one in France, which is Elder Maurice. Et il y en a un donc en France qui est l'ancien Maurice. Now, we consider these elders at this level to be local elders. Donc nous considérons ces anciens comme étant des anciens locaux. Now, it's simple enough to say that. Donc c'est suffisamment simple de dire cela. But in reality, sometimes it gets complicated. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Now, elders at this level, Donc les anciens à ce niveau, almost all of the time. donc quasiment la plupart du temps. Now, let me rephrase that. Donc laissez-moi reformuler cela. An elder at this level Donc has the following. Has the following responsibility: un ancien à ce niveau, il a les responsabilités to suivantes. look after the spiritual welfare of the flock, Donc regardez donc la bonne santé spirituelle du troupeau. we'll call that visitations, Donc on va appeler cela donc les visites. whether it's by phone, in person, online, it's to Donc communicate with the flock underneath them. que ce soit donc par téléphone ou en ligne ou par des visites locales, en fait, il doit communiquer et s'assurer de la bonne santé du troupeau. To perform the ordinances, Donc s'occuper des ordonnances, baptism, the Lord's Supper, donc la Sainte Cène et donc le baptême, donc c'est les and cérémonies. to perform marriages and funeral services. Et pour faire aussi donc les mariages et les cérémonies funéraires. Now, it depends upon the particular country that they live in, Donc cela dépend du pays dans lequel ils vivent. sometimes they will have local organizational responsibility and sometimes they will not. Donc des fois, ils ont des responsabilités locales et des fois, ils n'en ont pas. So, as an example, Donc, par exemple, Elder Maurice here.
Donc, l'ancien Maurice ici is part of the board of LGC. Donc, il fait partie du comité de direction de LGC. As an example, et en tant qu'exemple, Elder Gabriel is the president of the ministry in Brazil. L'ancien Gabriel est le président du ministère au Brésil. As an example, Elder Marshall is not on the board in Zimbabwe. Et par exemple, donc l'ancien Marshall, il n'est pas dans le dans la direction du ministère au Zimbabwe. Each locality has gone in their own slightly different way, depending upon their own needs. Donc chaque endroit donc a une façon différente en fait de fonctionner en fonction des différents besoins. So you may ask. Donc vous. If you're French. Donc vous pouvez vous poser la question si vous êtes donc, français. If LGC is up here. Donc si LGC se trouve à ce niveau-là. Why is Brother Maurice down here? Pourquoi donc l'ancien Maurice se retrouve à ce niveau ici? Places. Donc à deux endroits différents. And this is the point I want to make about leaders at this elders at this level. Et c'est le point que je veux faire pour les anciens qui se trouvent à ce niveau. So these elders. Donc ces anciens have three responsibilities. Ont trois responsabilités. The ordinances, donc les cérémonies, marriage, les mariages, and funerals, et les funérailles. And that's pretty much it. Et c'est quasiment tout ce qu'il y a. Oh, I'm just going to put the flock. Et this aussi, je vais mettre important work, actually. Le troupeau également. To take care of the spiritual needs of the members. Donc s'occuper des besoins spirituels des membres. If you consider their role like 100%. Donc si vous considérez leur rôle entier comme étant 100%. 95% of their work should be this one, the flock. Donc 95% de leur travail devrait être le troupeau. Hopefully no funerals. A few marriages and some ordinances. Donc j'espère aucune funéraille, quelques mariages et quelques cérémonies telles que voilà baptême et fin de scène. Elder Maurice here. Donc l'ancien Maurice ici. Is not the same as Elder Tabo here. N'est pas au même niveau que l'ancien Tabo ici. His job is different. Son travail est différent. Each of these elders at this level. Donc tous les anciens qui sont à ce niveau has the authority to perform all of these. Ont l'autorité pour pouvoir accomplir donc toutes les tâches qui sont données ici. But their main task. Mais leur tâche essentielle principale. Is an organizational one. C'est une tâche d'organisation. To answer to the leadership above and take care of the flock beneath. Donc de répondre à la direction qui est en haut et de s'occuper donc de ce qui est en bas. So I hope that clears up the question about Elder Maurice's role here in the French world. Donc j'espère que ça répond à la question par rapport au rôle de l'ancien Maurice dans le monde francophone. He is part of the continental team. Donc il fait partie donc du comité de direction donc continental. Because he's a member of that board. Parce qu'il est membre de ce comité de direction. He was not made an elder because he was part of the board. Il n'a pas été proclamé ancien parce qu'il était membre du comité de direction de LGC. Two functions. We have to split between the two, or some people would say he wears two hats. Donc il a deux casquettes où il a dû voilà donc on a dû faire une séparation entre ces deux tâches. When he behaves as a board member, he's up here. As an elder, he's just down here. Donc voilà deux fonctions. Donc en tant que membre du comité de direction, il est là, et en tant qu'ancien, il est là.
Now, for a movement of our size, donc pour un mouvement de la taille telle que le nôtre, I'm sure that you probably think, and we all agree, that four elders here are not enough. Donc je suis sûr que vous êtes d'accord que quatre anciens ici, ce n'est pas assez. I want to make a point. Et j'aimerais dire quelque chose. I'm hoping that you all are aware, at least most of you should be aware now. Donc j'espère que vous êtes tous conscients et la plupart d'entre nous devrions être conscients. That the way we are approaching baptismal studies today is different than the past. Que la façon dont nous faisons les études pour le baptême est différente du passé. I'll say it this way. Et je vais le dire de cette façon. Strict. C'est plus strict. We are being much more diligent about how we are conducting baptismal classes. Nous sommes beaucoup plus diligents sur la façon dont nous conduisons les classes baptismales. We have issued directions to all of these people. Nous avons des problèmes de direction par rapport à toutes ces personnes. That as much as possible. Nous avons des questions de direction par rapport à toutes ces personnes. All baptismal classes should be one-on-one. Donc toutes les comment dire donc autant there que possible. There have to be special circumstances to have group baptismal studies. Ok, donc toutes les classes baptismales doivent être en tête à tête avec une seule personne et les groupes c'est vraiment lorsqu'il y a des circonstances particulières. That means one teacher with several students. It should be very rare. Donc ça veut dire un enseignant avec plusieurs donc étudiants, cela devrait être très rare. And more than that, you actually need to seek for permission to do that. Et on doit en plus avoir une permission spéciale pour pouvoir because faire we cela. Want to have, we want you to provide us with a good justification that we cannot that you cannot do one-on-one studies. Donc il faut avoir des bonnes raisons pour pouvoir dire qu'on ne peut pas faire des études donc une personne par une personne, donc en tête à tête. Things are so bad on, in this area, donc les choses sont tellement mauvaises dans cette that zone we have had to go back now, que nous devons donc revenir en arrière. Not to undo people's baptisms, no, not that. Donc pas pour annuler donc le baptême des personnes. But those people who feel for themselves, or if we feel that they don't understand the message well. Donc ces personnes que nous pensons donc qu'elles ne comprennent pas le message suffisamment bien. I'll say it this way. Non, je vais le dire de cette façon. If they think that they have been cheated, si ces personnes pensent qu'elles ont été trompées, then we're going back now and offering them baptismal classes, even though they've been baptized. Nous revenons en arrière et nous leur offrons des classes baptismales, même si elles ont déjà été baptisées. Now, the only reason I mention that, donc la seule raison pour laquelle je mentionne cela. And then I just want to add one more point. Et après, je veux rajouter encore quelque chose. In far too many ways, still. Et dans de nombreux cas. This movement is still sexist. Ce mouvement est toujours sexiste. So take those two issues. Donc, on va prendre ces deux sujets. And the point I want to make is the following. Et ce que je veux dire, c'est la chose suivante. That it's very difficult to find qualified elders. C'est très difficile de trouver des anciens qualifiés. The hurdle or the bar is much higher now than it was in the past. Donc la barre, elle est beaucoup plus haute qu'elle l'était dans le passé.
for those of you who are now asking themselves about baptisms, donc pour ceux d'entre vous qui vous posez la question par rapport au baptême, and if you feel that you either have questions or that you were not served well, si vous pensez que vous avez des questions ou que vous n'avez pas été bien servi, I believe that you should know where you are in this structure. Every single one of you should know where you fit. Donc chacun d'entre nous, nous devons savoir où est-ce que nous nous trouvons par rapport à cette structure. And if you have any questions or any concerns about baptismal classes, si vous avez des questions ou des inquiétudes par rapport donc aux classes baptismales, then you need to go to your various leaders and speak with them. Vous devez donc aller voir donc les différents dirigeants et leur en parler. And if you feel that you've been done a disservice, et si vous pensez que vous avez été abusé, like that troublesome widow, mal servi, like that widow who comme, was causing trouble to the judge, comme cette veuve qui donc causait un problème bang au juge, these leaders' doors until you get what you want from them. Donc allez frapper à la porte du juge et essayez d'obtenir ce que vous voulez. Thank you. If I use that word, Sister Debbie, I don't think they'll know what it means. Donc, si j'utilise ce mot, je suis pas sûr que tout le monde va comprendre. Donc, c'était la veuve qui importunait le juge. Let me move on. Donc, laissez-moi maintenant donc avancer. So, we are not saying that the ordination of elders has finished or we have enough numbers. On n'a pas dit donc que l'ordination des anciens est terminée, que nous avons le nombre suffisant. But we need to be careful about selection. Mais nous devons faire très attention par rapport à la sélection que nous faisons. Than we were in the past. Nous devons faire beaucoup plus attention que par rapport au passé. And I'm hoping that each of you can appreciate and realize that. Et j'espère que chacun d'entre nous, vous pouvez donc apprécier cela. So, I've given a list of all the elders in the movement, and I'm hoping I haven't forgotten anybody. Donc, j'ai donné la liste de tous les anciens du mouvement, et j'espère que je n'ai oublié personne. Give me one moment, let me check if I've been told off. Donc, laissez-moi juste un instant, je vais voir si je n'ai rien oublié. They'll say, oh, you forgot him or her. Afin qu'on ne dise pas, ah, mais tu l'as oublié, ou elle. Yes, I think I'm free. I think I didn't do a bad job. Donc, je pense que c'est bon. Okay, moving on. Donc, nous allons avancer maintenant. So, someone has asked, what's the criteria for choosing the leader in regard to being an elder? Donc, quelqu'un a demandé quels sont les critères pour choisir donc un ancien. So, besides the biblical requirements, donc, en plus donc des prérequis bibliques, we would be looking for someone who has proven themselves to be faithful. Donc, quelqu'un qui a prouvé qu'il était fidèle. Understand the message of equality. Qui comprend le message de l'égalité. And are spiritually minded. Et qui a un esprit spirituel, un discernement spirituel. If that sounds vague, it was meant to be vague. Donc, si ça vous semble vague, c'est volontaire. Okay, so some people are saying, do you have to be a teacher to be an elder? Donc certains posent la question, est-ce que vous devez être enseignant pour être ancien? No. Non. It depends where you are on this structure. Cela dépend où vous vous trouvez sur la structure.
there's always a balance between an administrator and a teacher. Il y a toujours un équilibre entre un administrateur et un enseignant. And if someone was an expert on both, that would be excellent. Et si quelqu'un est un expert dans les deux, ce serait excellent. But that's not something that we specifically look for. Mais ce n'est pas quelque chose que nous recherchons particulièrement. Everyone has their own strengths and weaknesses. Donc tout le monde a ses propres forces et ses faiblesses. Okay, I think I've answered most of the questions that I've had on leadership. Donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions que j'avais en fait sur le leadership, direction, dirigeant. I haven't been checking on the chat to see if anybody has any questions. Donc laissez-moi regarder sur le chat si quelqu'un avait une question. I think people have been having their own discussions. Disconnected to our study on the chat group. Il y a une discussion sur le chat qui n'est pas connectée avec l'étude. Very naughty of you all. Et c'est pas très bien de votre part. So. Unless someone asks me a specific question now on this organizational structure, I think I'm pretty much done. Donc, à moins que quelqu'un me pose une question vraiment précise sur la structure organisationnelle, je pense que j'ai terminé par rapport aux questions. So, the biggest problem that we have. Donc, le plus grand problème que nous avons. Is doing ordinances when we don't have local elders. C'est de faire les cérémonies donc d'ordonnance. It's been particularly bad at the moment because all travel has been curtailed. Et c'est encore plus compliqué parce que tous les voyages ont été annulés. But then, of course, since the pandemic, we shouldn't be doing ordinances anyway. Mais de toute façon, depuis la pandémie, nous ne pouvons plus faire donc les cérémonies telles que voilà Sainte-Cène, baptême. Because of social distancing. À cause donc de la distanciation sociale. But it is a problem that's going to need further investigation to be able to come to a satisfactory solution. Donc c'est un problème qui va devoir être investigué pour trouver une solution satisfaisante. So someone has asked about Bible workers, and that was one point that I had neglected. Donc quelqu'un a posé la question sur les ouvriers bibliques, et c'est un point que j'ai négligé. Yes, baby dedications normally come under the responsibility of elders too. Donc aussi les présentations d'enfants. C'est quelque chose qui va sur la responsabilité de l'ancien aussi. So, under dedication, donc sous la présentation donc des enfants. Think babies. Donc les bébés. And people that are ill when they need anointing. Et les gens qui sont malades et qui ont besoin d'une onction. So yes, thank you for that reminder. That's also part of their responsibility. Donc merci pour ce rappel, cela fait partie également de leur responsabilité.
So, so I'll talk about Bible workers next. Donc je vais parler maintenant des ouvriers bibliques. Now we do have a number of Bible workers across the world field. Donc on a un nombre d'ouvriers bibliques donc dans le champ mondial. Some are full time, some are not full time. Donc certains ils sont à plein temps et d'autres ne sont pas à plein temps. I believe the heaviest concentration of Bible workers are in Africa. Et je pense que la plus grande concentration donc d'ouvriers bibliques elle se trouve en Afrique. I don't have all the numbers. Donc je n'ai pas tout le nombre. But in East Africa, mais en Afrique de l'Est, I think we have around 12, definitely over 10. Donc on a 12, donc c'est supérieur à 10, donc des ouvriers bibliques. And in Southern Africa, including Western Africa, we have over 10 as well. Et dans la région donc du sud de l'Afrique et de l'ouest, on a aussi plus de 10. If you consider just Africa, there are over 20 Bible workers there. Donc si vous regardez l'Afrique, il y a plus de 20 ouvriers bibliques. They're not all full time. Ils ne sont pas tous à plein temps. If I were to say approximately half of them are full time and half are not. Donc de façon approximative, il y en a donc la moitié qui est à plein temps et la moitié qui n'est pas à plein temps. In Europe, en Europe, here, ici, we have I think two Bible workers. Je crois que nous avons deux ouvriers bibliques. One full time, one not full time. Un qui est à plein temps, l'autre qui n'est pas à plein temps. I think currently in the United States, we don't have any Bible workers. Et aux États-Unis, nous n'avons pas d'ouvriers bibliques. So, the mission of a Bible worker. Donc la mission de l'ouvrier biblique is to their primary role is to look after the flock that's been assigned to them. Donc le rôle principal c'est de s'occuper du troupeau qui leur a été assigné. And depending upon their workflow, that can be different for different areas. Et donc selon leur charge de travail, cela peut être différent en fonction des endroits. So their primary role, even though it says Bible worker, is actually to look after the spiritual needs of those for whom they interact with. Donc leur rôle premier, même si on dit ouvrier biblique, c'est de s'occuper donc des besoins spirituels du troupeau avec lequel ils interagissent. Okay, so in Europe we have three Bible workers, donc, one full time and two part time. Donc en Europe nous avons trois ouvriers bibliques, donc deux à temps partiel et un à temps and complet. We have two in the Caribbean. Et on en a deux dans les Caraïbes. So obviously the other work for a Bible worker is actually to teach the Bible. Et l'œuvre de l'ouvrier biblique, c'est aussi d'enseigner la Bible. I guess that's obvious. Je pense que c'est évident. Now, the Bible workers should do baptismal classes, of course. Donc, l'ouvrier biblique doit faire des classes baptismales. But they're not the only people. Mais ils not sont the pas... only people that do baptismal classes. Ils ne sont pas les seuls à faire des classes baptismales. In fact, a teacher who was doing baptismal classes was taking care of their students properly over a length of time. Donc un étudiant qui donc fait des études baptismales. If there was a member who was doing baptismal classes for some length of time. Donc un membre qui fait des études baptismales depuis un certain temps. And they took care of their students. Et ils prennent soin de leurs étudiants. We would observe them and sometime in the future we might
ordained them to become a Bible worker. That's how a Bible worker is, if you like, selected. Nous allons, because they've been shown to be faithful. Nous allons les observer et nous allons les soumettre plus tard donc à l'ordination pour être ouvrier public. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. So someone has asked, when will LGC have a continental leader? Donc quelqu'un a demandé à quel moment donc LGC aura un dirigeant continental? Never. Jamais. Because the French world might have a continental leader, but not LGC. Donc le monde francophone aura un dirigeant continental, mais pas LGC. It's just the issue of semantics. I was only joking. Donc c'est juste un problème de sémantique. So no plans have been made yet, but all I'm pointing out is that we're aware of the issue that the French world does not yet have a continental leader. Donc, il n'y a pas de décision prise pour le moment, mais nous sommes conscients du problème du fait que le monde francophone n'a pas de dirigeant continental. Wherever that leader would be found, donc, it's not for me to say at this moment. Donc, est-ce que ce dirigeant a été ou sera trouvé? Ce n'est pas à moi de le dire pour le moment. If COVID continues, how do we do baptisms? We don't. Donc, si le COVID continue, comment faisons-nous pour les baptêmes? Eh bien, nous ne les faisons pas. We almost managed a few today, but it didn't happen. It got cancelled at the last moment. Nous voulions en faire aujourd'hui, mais ça a été annulé au dernier moment. Thank you, Sister Tamina. Merci, Tamina. Dedications of buildings or churches. Dédication sure, if you like. De bâtiments I wish we ou d'églises. Had some buildings to dedicate. So I've discussed the work of a Bible worker. Donc j'ai parlé. I tried to fill in the gaps of those people that I missed. Donc j'ai parlé de l'œuvre donc de l'ouvrier biblique. Okay, so someone's asking about being an official evangelist. Donc quelqu'un a parlé d'être un évangéliste officiel. So we're all as the priest official evangelists. Donc en tant que prêtre, nous sommes tous des évangélistes officiels. If you want to be an official evangelist, first you have to be a safe driver. Donc si vous voulez être un évangéliste, vous devez être un conducteur sûr. And most of us are dangerous drivers, so we're not allowed to be evangelists yet. Et la plupart d'entre nous sont des mauvais conducteurs, donc nous ne sommes pas autorisés à être des évangélistes. I'm sorry, Sister Roberta, that's just a joke in English. It doesn't donc, make sense, I know. Je suis désolé, c'était une blague, donc ça n'a pas de sens. Okay, we don't become evangelists until Panium. Donc, nous ne devenons pas évangélistes avant Panium. And then we're all supposed to be them. Mais nous sommes tous supposés être évangélistes. As opposed to being official. Et donc, le contraire d'être évangéliste officiel. So I won't make a joke. I was going to say something. How do we become Bible workers? You have to prove yourself. Donc, comment devient-on ouvrier public? Ben, vous devez preuve, en fait. It's, if you want to become a Bible worker, it's who you know, not what you know. Donc, si vous voulez être ouvrier biblique, c'est pas ce que vous connaissez, mais c'est ce qui vous connaissez. That was a joke. It's not true. Non, ce n'est pas vrai, c'est une blague. Prove yourself to be a good worker and people will identify that. Donc, vous devez faire la preuve que vous êtes un bon ouvrier biblique et les gens vont nous allons identifier cela. Advice, if you want to be a Bible worker, donc, si vous voulez être un ouvrier biblique, we want what we're looking for is faithfulness. Donc, nous voulons et nous recherchons donc la fidélité.
not originality. Et pas l'originalité. Far too many people think if they want to, I call it, get a promotion in this movement, they need to be original. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si on, ils veulent entre guillemets une promotion dans le mouvement, ils doivent être originaux. In my experience, those people become or end up being the worst Bible workers that we have. Et c'est mon expérience que ces personnes deviennent les pires ouvriers bibliques que nous avons. Learn this message well and just copy it, replicate it. Apprenez bien ce message et copiez-le, répliquez-le. Do it well, do it faithfully. Fais-le bien et fais-le donc de façon fidèle. And people will see that you're a good teacher. Et les gens vont voir que vous êtes un bon enseignant. So, perhaps I didn't explain about elders at this level and this level. Alors, je n'ai pas parlé donc des anciens donc à ce niveau, au niveau continental et au niveau local. Now, there are various ways to describe them. Donc, il y a différentes façons de les décrire. One, here, these tend to be international. Donc, ici, donc c'est au niveau donc international. And local would tend to be specific to a country. Et donc, l'ancien local, il est spécifique donc, à un pays. And I think if you were to go across the world, et donc, si vous parcourez le monde, you'd see it pretty much works that way. Vous allez voir que cela fonctionne de cette Again, façon. The only anomaly is in France. Donc, la seule anomalie, c'est en France. Donc, l'ancien local, il est spécifique for au pays. For intents and purposes, Elder Maurice is a local elder for France, but they do cover different countries because there's a language barrier there. Donc, l'ancien Maurice, il est l'ancien local en France, mais il couvre d'autres pays à cause de la barrière de la langue. For whatever reason, France is just a special situation. Pour plusieurs raisons, donc la France est, dans, est une situation qui est spéciale. And I don't say that in a negative way. Et je ne le dis pas de façon négative. So I'm hoping that's a little bit clearer. Donc j'espère que c'est plus clair. So, for instance, Elder Marshall. Donc, par exemple, on va prendre his l'ancien main job function. Marshall, donc son... Son... Donc, par exemple, look after the spiritual needs of the flock. L'ancien Marshall, son, sa fonction principale, c'est de s'occuper des besoins spirituels du troupeau. Most of the time. Donc, c'est ce qu'il devrait faire, en fait, la plupart du temps. And then he would also perform these other functions. Mais il va aussi faire ses autres fonctions. And that's about the limit of his work. Et donc, c'est les limites de son œuvre, de son travail. Elder Tabo, mais l'ancien Tabo, he too can do all of these, il va donc s'occuper de tout, ces, tout cela. But his main responsibility is to look after, I don't know, maybe, I'll say five countries. Mais son, bon, ça va être, je ne sais pas, mais de s'occuper de cinq pays, par exemple. To organize the work and ensure that it remains on track. Donc c'est pour organiser l'œuvre et pour s'assurer donc and tout so reste sur le bon chemin. Both with the boards of these countries. Donc il va travailler donc à la fois avec le comité de direction donc au niveau de ces pays. And he would also work with Elder Marshall. Mais il va aussi travailler avec donc l'ancien Marshall. So I'm hoping it's that's clearer about the relationship between local elders and continental elders. Donc j'espère que c'est plus clair la relation entre l'ancien donc continental et l'ancien local. These local elders do not have organizational authority or responsibility. Donc ces anciens locaux n'ont pas de responsabilité au niveau de organisationnel et au niveau voilà au niveau de l'organisation. Their function as a local elder
is just to do these items. Donc, en tant qu'ancien local, ils sont voilà, ils font donc ces tâches ici. Some separately are part of an organizational structure or a ministry. Donc certains font partie d'une structure organisationnelle ou d'un ministère. And some are not. Et certains, ce n'est pas le cas. So, the first disqualification of being a Bible worker is to ask to be one. Donc la première chose qu'il faut éviter de faire pour être un ouvrier biblique, c'est de demander à. Raquel, I couldn't resist. C'est de demander à en être un. Donc je suis désolé, sœur Rachel. But honestly, seriously. Mais plus sérieusement. As the Bible says, do the work that lies nearest. Or spirit prophecy. Donc, fais le travail qui est le plus proche. Be faithful in the work that you have in front of you. Donc, sois fidèle dans l'œuvre, dans le travail que tu dois, qui a près de toi. And if you do that work, people will notice. Et si tu fais bien ce travail, les gens vont le remarquer. We want more workers. The Bible says to pray for more workers. We don't want to stop people being workers. Donc nous voulons plus d'ouvriers. Donc la Bible nous dit que nous devons avoir plus d'ouvriers. Donc nous ne voulons pas en avoir moins. Nous devons prier pour avoir plus d'ouvriers. So people, someone's asked, what's the difference between a full-time worker and a part-time worker? Donc quelqu'un a demandé la différence entre un ouvrier qui est à plein temps et un ouvrier qui attend, qui n'est pas à temps complet. The issue normally is about money. Donc le sujet, c'est surtout à propos de l'argent. Full-time workers or full-time elders are paid, donc, and part-time tend not to be paid. Donc, les anciens qui sont à temps complet ou les ouvriers à temps complet sont payés et ceux qui sont pas à temps complet ne sont pas payés. Except for very specific situations, but generally part-time workers are not paid. Ou alors dans des cas vraiment très spécifiques. Mais généralement, donc, ceux qui ne sont pas à temps complet ne sont pas payés. For instance, par exemple, we have normal members. Donc, on a des membres normaux who are doing 5 to 7 Bible studies a week, qui font, and they don't get any pay for that. Qui font 5 ou à 7 études bibliques par semaine et qui ne sont pas payés pour cela. And when you consider the preparation work that's needed, that's quite a lot of effort. Et lorsqu'on regarde donc la préparation qu'il faut pour cela, ça représente beaucoup d'efforts. Okay, so a few people have asked why there is a gap here when I discussed Bible workers. Donc certains ont posé la question pourquoi il y a un trou ici, donc lorsque donc pour les États-Unis, lorsqu'on a parlé des ouvriers bibliques. So we used to have a Bible worker in the United States, but they have stepped back from ministry at the moment. Donc on avait un ouvrier biblique donc aux États-Unis, mais qui s'est retiré du ministère pour le moment. It's our hope that's temporary, but we can't say. Donc j'espère que c'est temporaire, mais on ne peut pas savoir. Okay, so someone's asked about money, and I didn't intend to talk about money at this camp meeting. Donc quelqu'un a parlé de l'argent, mais je n'ai pas l'intention de parler de l'argent donc à ce camp meeting. This movement does not have a name. Ce mouvement n'a pas de nom. Just checking through if there are any questions. Donc je suis en train de vérifier s'il n'y a pas d'autres questions. Okay, so some people are asking,
Because we do online or virtual weddings. Donc certains posent la question comme nous, comme il y a des mariages des fois qui se font donc en ligne. What about the thoughts of what about the thought of doing a virtual online ordinance? Pourquoi ne pas faire donc les ordinances donc telles que les baptêmes ou saintes scènes de façon en ligne? I don't want to completely throw out that point, but we haven't considered doing that yet. Donc, nous n'avons pas encore considéré faire cela maintenant. It may seem naive. Donc, peut-être que cela va vous sembler donc naïf. But then I guess the whole world was naive. Mais alors, donc dans ce cas-là, le monde entier est naïf. But I think no one has expected this pandemic to last this long and be this severe. Personne ne s'attendait à ce que cette pandémie soit aussi longue et aussi sévère. So today I would say, well, the vaccines are coming, so we wouldn't want to go down this road. Donc certains disent donc le vaccin arrive, donc peut-être que nous n'allons pas aller dans ce dans cette direction-là. But this pandemic has been full of surprises. Mais cette pandémie a été What I'm referring to is someone asked the question, can we do some of these things virtually or online? Donc quelqu'un a posé la question, est-ce que nous pouvons faire toutes ces choses de façon virtuelle ou en ligne? And we haven't considered that yet, but maybe we would in the future if things don't get better. Donc, nous n'avons pas considéré cela, mais peut-être que nous le considérons dans le futur si les choses ne s'améliorent pas. Okay, so I want to clear one point up about the United States. Donc, j'aimerais éclaircir un point à propos des États-Unis. Brother Tyler has not left the movement. Donc, le frère Tyler n'a pas quitté le mouvement. He is still in the movement. Il est toujours dans le mouvement. Which we're thankful for. Et nous sommes he has just chosen to step back from having a position of responsibility. Il a nous sommes reconnaissants et il a donc juste retiré s'est retiré d'une position de responsabilité qui était ouvrier biblique. So he chose not to remain as a Bible worker, but he's still in the movement, thankfully. Donc, il a choisi de ne plus être ouvrier biblique, mais il est toujours dans le mouvement. Yes, the ordinances are baptism and the Lord's Supper, the foot washing. They're the three. Voilà, donc l'ordinance, c'est donc le baptême et donc c'est la Sainte Cène. Now, one thing that I haven't spoken about, but I want to add here. Donc quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais j'aimerais le rajouter. Is that in these various countries? Donc, dans ces différents pays, at this level here, that's blank, donc au niveau, donc au second niveau, donc c'est vide. Some groups, when you get a group of people, donc certains groupes, donc lorsque vous avez un groupe de personnes, some are considered churches and some are considered ministries. Donc certains sont considérés comme étant des églises et d'autres comme des ministères. A church or a fellowship is relatively well defined. Donc une église ou une communauté, donc c'est quelque chose qui est bien défini. A ministry, perhaps people don't have a clear concept of what they would do or what their function is. Donc un ministère, peut-être que les gens n'auraient pas forcément la claire vision sur ce que ça signifie ou ce que ce ministère est censé faire. Let's just put it this way. Donc, on va le formuler de cette façon. Would do evangelism. Un ministère va faire de l'évangélisation. Evangelism would be something like the following. Donc, l'évangélisation, ce serait quelque chose qui ressemblerait à ça. They would have a team. Donc, ils ont une équipe. Maybe a team of one or two. Donc, une équipe peut-être d'un ou deux personnes. Who would do translation. Qui va faire de la traduction.
who would write studies. Qui vont écrire des études. Who would do a work. Qui vont faire une œuvre. Outside of their own local sphere of influence. En dehors de leur sphère locale d'influence. Whereas a fellowship or a church would just do essentially prayer meeting and Sabbath services. Alors que une église va faire des rencontres du sabbat et aussi des réunions de prière. Okay, so in closing, I just want to address one last point. Donc pour terminer, j'aimerais juste parler d'une dernière Someone chose. Someone has asked why there are so few sisters here. Donc quelqu'un a demandé pourquoi il y a si peu de sœurs en fait dans la structure. Donc on va compter. Une. Two. Deux. Three. Trois. And there are two here. Et il y en a deux ici. Five. Cinq. So the five sisters. Donc il y a cinq sœurs. One. Un. Two. Deux. Three. Trois. Four. Quatre. And there are two here. Il y en a deux ici. Six. Six. So there are five women and six men currently. Donc il y a cinq femmes et six hommes pour le moment. So someone has looked at this and said, why are there so few sisters in this structure? And that's just not so. Donc quelqu'un a demandé, a vu la structure et a dit pourquoi il y a si peu de femmes donc, dans cette structure et en fait ce n'est pas le cas. It's pretty evenly balanced. C'est quasiment équilibré. Now, when it comes to elders here, donc lorsqu'on parle des anciens qui sont ici, donc au niveau local, at this level, donc à ce niveau, they are indeed all men. Donc, ils sont effectivement que des hommes. But I think it's fair to say that all of those ordinations happened before equality became an issue in our movement. Mais toutes donc, ces nominations ont eu lieu avant que donc, le sujet d'égalité devienne vérité présente pour le mouvement. I don't want to say before it became a test because it's always been a test, but it was never bon. Identified as a serious consideration. Je ne vais pas dire que c'était un test parce que cela a toujours été un test, mais cela n'avait jamais été considéré comme étant une question vraiment sérieuse. Voilà, donc à propos de l'égalité. And we have not ordained any elders at this level for a long time. Et cela fait très longtemps que nous n'avons pas donc consacré des anciens donc au niveau local. In fact, if you consider the last sets of ordination. Et si vous considérez donc la dernière série donc de consécration, it was Elder Tess, Elder Shaquetta, and soon to be Elder Terry. Donc c'était l'ancien donc Tess, l'ancien Shaquetta, et bientôt à venir l'ancien Terry. So the last three elders that have been ordained in the movement were all women. Donc les trois derniers anciens qui ont été consacrés étaient toutes les deux des femmes. Okay, so. It may seem not so clear how those numbers work, but you can see it's pretty well balanced. Donc vous pouvez voir peut-être que c'est pas très clair par rapport à la fonction de ces comment fonctionnent ces nombres, mais en tout cas on voit que c'est équilibré. Sister Allison, the answer is yes. Donc la réponse à la question d'Allison, c'est oui. Donc la question c'est est-ce que l'ancien Tess va ordonner Terry? I agree with you. There's only one elder in the French world and that's Elder Maurice. Il y a seulement un ancien dans le monde francophone et c'est l'ancien Maurice. When I said that there were two here, I just counted the board members. Two female board members and two male board members. None of them are elders. Donc, lorsque je parlais du nombre 2, je parlais en fait du nombre de femmes dans le comité de direction. Et dans ces deux femmes, aucune n'est ancienne.
remember, Brother Maurice is an elder down here. I didn't put him as an elder up here. Donc, voilà, donc l'ancien Maurice a été compté en tant qu'ancien, mais il n'est pas, dans le comité de direction, il n'est pas ancien. Exclude France, there are three female elders and four male elders. Donc, si on exclut la France, il y a trois anciens femmes et quatre anciens Someone was asked, are we all supposed to be teachers? If you look at the study of the wise, donc si quelqu'un demandait si est-ce qu'on est tout, on doit tous être enseignants. Donc si vous regardez sur l'étude des sages, Daniel 12, de Daniel 12, you will see that the wise are this movement, and the definition of the wise are basically those who teach. Les sages sont ce mouvement, et la définition d'un sage, c'est ceux qui enseignent. I haven't addressed the structure at this level here. Je n'ai pas parlé de la structure à ce niveau ici, donc au niveau local. And you remember I said that there were three Bible workers in Europe, one full-time and two part-time. J'ai dit qu'il y avait trois ouvriers bibliques en Europe, donc un qui était à plein temps et deux qui n'étaient pas à plein temps. So a number of people keep on bringing Sister Tamina's name up, and she fits at that level. Donc beaucoup de personnes parlent de Tamina, et donc elle est à ce niveau. Donc les trois ouvriers bibliques pour l'Europe. She's one of the three Bible workers in Europe. Elle est un des trois ouvriers bibliques en Europe. Okay, so I've addressed pretty much all I wanted to. Bring up about organizational structures. Donc j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler sur la structure organisationnelle. I'm hoping we all now have a much clearer understanding of what the organization looks like. Donc j'espère que nous avons une meilleure compréhension de à quoi ressemble donc l'organisation. Who is responsible for what parts of the world? Donc qui est responsable de quelle part de chaque partie du monde? How we got to this point? Comment nous sommes arrivés à ce point? Don't ask me where we're going because I don't know all of those answers. Et me demandez pas où est-ce que nous allons parce que je n'ai pas la réponse. And you should know where you fit in this structure. Et vous devez savoir. One of you. Vous devez savoir où est-ce que vous correspondez donc dans cette structure. Donc chacun d'entre And nous. You should know who you need to speak to if you want to. Get things addressed or you have questions. Donc vous devez savoir à qui vous devez vous adresser si vous avez des questions à poser. I don't know who we're going to have a name for this movement, and where we're going is to Panium. Donc, post-Panium, how this changes, I don't know. Donc, je ne sais pas si nous aurons un nom pour le mouvement et où est-ce que nous allons. Nous allons donc à Panium. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you for your watch care. Donc, Père Céleste, nous voulons te prier pour le soin que tu prends de nous. We see how you've taken care of this movement. Nous voyons comment tu as pris soin de ce mouvement. Even if we have made mistakes, you have directed things. Même si nous avons fait des erreurs, tu as dirigé les choses. Limited any damage that human beings could do. Tu as limité les dommages que peuvent faire les êtres humains. I thank you, Lord, that you have led and directed. Je te remercie, Seigneur, que tu as dirigé et conduit. I speak on behalf of all the leaders. Et je parle de la part de tous les dirigeants. It's a privilege to be in this movement. C'est un privilège d'être dans ce mouvement. To be part of this work. De faire partie de cette œuvre. And may each of us realize our own personal responsibility. Et chacun, que chacun puisse réaliser notre responsabilité personnelle. To both believe and to practice this message. De croire et de pratiquer ce message.
Jesus' name. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Thank you, Elder Pramina, for the presentation. Donc, merci, so we've been a little bit delayed with the timing. We will close the meeting now. We will start the meeting right up again. And I'm asking the translators to connect quickly so we can set everything up and continue with the next presentation of Elder Tess. Et, nous so we'll be closing this meeting. Donc, continuez tout de suite avec l'ancien test. Donc, je demande aux traducteurs de pouvoir se connecter tout de suite, se reconnecter tout de suite.